Donc ça c'est quoi? Ça c'est juste ce trapier pour tenir la canne. On la met là-dedans sur le clou. Et c'est censé tenir en équilibre. Avec le vent qu'il y a là-haut, on verra. Donc ça c'est pour l'appareil qui va mesurer... Ouais, c'est ça. C'est pour maintenir la canne avec l'antenne qui va faire la mesure. C'est pas nouveau. On se repose plus longtemps. Le bateau il sert plus à grand chose. On va avoir un accès juste au libre au truc, comme ça. On va essayer de placer ça. Ce qui serait bien, c'est peut-être mettre l'antenne par là. Ouais. Moi, je vais venir avec le trépied à la place du jeune homme. Bien serrer les pieds avant, pour vérifier le serrage. J'ai effectué les premiers paramètres de réglage pour effectuer la capture des données avec l'antenne. Ces paramètres sont choisis pour nous permettre de capturer un maximum de données. Ces données, on va pouvoir ensuite les trier par leur qualité, mais ça on le fera au bureau et dans un second temps, histoire d'avoir une donnée brute la plus complète possible. Pour avoir la mesure exacte, il faudra attendre le post-traitement des données par l'IGN, qui aura besoin de ce qu'on appelle des éphémérides précis, qui sont en fait la position précise des satellites dans le ciel. Et ça, on ne peut la voir que 72 heures après l'acquisition. Donc au plus tôt, 72 heures après la mesure.